much and more happenings in this half, about 5 minutes of regular playing time on the watch. It is the Guinean side who have bounced back from adversity. Much and more happenings in this half, about 5 minutes of regular playing time on the watch. It is the Guinean side who have bounced back from adversity to put the scoreline situation at 2 goals each way. As tension, attention! Victor, the score of goal number 2, was heading for the Ça, c'est un ballon intéressant à jouer pour la Guinée qui va obtenir un corner. Ah, oui, bonne intervention de Camara. Ah. Allez, dans le dos, ce ballon est bon avec la sortie approximative. Vite à sortir ses cartons. Après, à partir du moment où l'arbitre estime qu'il y a faute, c'est normal que le carton rouge pour Kuitzera soit sorti. Moi, j'ai un doute sur la faute et je le maintiens. Le ballon dans la surface de réparation, Wandez. Ballon sorti par la Guinée avec désormais des contre-attaques qu'il va falloir gérer pour les joueurs de Vincent Machami. Comme Tabaduno. Avec l'accélération de saut, taclé, repris. Mais c'était une balle d'égalisation pour le Rwanda. Mais c'est passé, c'est passé. Sur le carton rouge de Olivier Kuitzera. Et ensuite cette action avant que je vous dise quelques messages de centre, il est bon. Ouais, la sortie, la bonne sortie de Kimeni qui a enlevé ce ballon, il le fallait parce qu'il y avait de la présence guinéenne dans la surface de réparation Wandez. Et là la bonne interception des Guinéens. Et le donne à Bangoura. Il a trouvé entre les lignes, c'était bien joué. Et là, il n'y aura pas de pénalty. Mais... Et ça c'est bien anticipé de la part de Khadim Diaw qui va centrer le ballon qui est détourné par Mangé Camara. Ça revient pour les Guinéens avec Sow. Alphonse Sow qui va passer le milieu de terrain en dribble. Attention à la contre-attaque. La Guinée qui est en surnoël. Voilà, bonne défense de Malik Ekan. Ah, il est trop fort sur la récupération. Il y a un peu forcé. Ah, il veut forcer mais...
Khadim Diaw qui réussit quand même à tacler. Attention à la frappe, heureusement. D'un côté comme de l'autre. Là, on revoit la frappe. Heureusement qu'il y a le petit pont. Regardez, malgré le fait que l'équipe guinéenne est coupée en deux. En deux, ouais. Ah, parce qu'ils sont derrière, ils sont six. Ouais. En défense, et attention. Attention, parce que là, s'il était tombé. Et là, ce sont les Guinéens qui sont en train de. On le disait tout à l'heure. Ah, mais c'est. Techniquement, c'est du très bon. Et heureusement, Khadim Diaw de prendre une bonne option avant le match retour. Et le voilà qui.